Rachel, 20 ans, a fait le grand saut. Quitter la Martinique et s'installer en métropole, avec un seul objectif, décrocher un contrat d'alternance. Je suis à la recherche d'une école, étant donné qu'en Martinique, je n'ai pas eu la possibilité de trouver une école et une entreprise. Mais ici, je suis venue chercher les ressources nécessaires afin de pouvoir continuer mon parcours. Pour pouvoir être efficace. Au micro, un jeune chef d'entreprise engagé pour l'association Jeunesse d'Outre-mer. Il tire ses exemples de sa propre expérience. Ma particularité, c'est que je suis, on va dire, un jeune antillais, un jeune ultramarin qui est né à Paris, de parents antillais, et qui a côtoyé toutes les cultures, toute la diversité française, mais qui maîtrise aussi les codes de l'outre-mer. Créer du lien entre les jeunes et les entreprises, un engagement partagé au sein de l'association. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir valoriser la jeunesse ultramarine à travers diverses activités au sein du réseau et également de permettre aux jeunes de trouver un emploi, un stage, une alternance avec l'ensemble des partenariats que nous déployons depuis plusieurs années déjà. Ateliers de ressources humaines ou encore de postures en entretien. Depuis la création de ce réseau en 2013, 600 jeunes ont pu accéder à des stages ou à un emploi. Pour tous, une entrée dans le monde du travail qui se fera sereinement. Il faut